Oui, ces armes que tu nous as fournies veilleront à cela. Dis-moi, Moebius, à quel jeu joues-tu? À aucun, Seigneur. Je ne souhaite que t'aider à vaincre tes ennemis. Les armes ne représentent qu'un gage de ma bonne volonté. Et les nouvelles que tu apportes? Un vampire envoyé pour m'assassiner. Où as-tu obtenu cette information? Cela n'a pas d'importance, sire. Je ne l'ai fait que par souci pour ta vie. Peut-être, peut-être. Très bien. Tu peux me laisser à présent. Mais si je désirais te parler... Je le saurai, monseigneur, et je serai là sans faute. Thank you.
Ah oui, le vampire. Moebius m'a dit que tu viendrais. Tandis que les gardes s'élançaient vers Guillaume le Juste pour essayer de le sauver, son sang ravivait déjà mes forces, remplaçant la vie que son fer avait volée de mes veines. Les pauvres imbéciles venaient secourir leur chef. Amusons-nous donc. Un appareil a remonté le temps. Étrange. Lorsque la coïncidence semble trop commode, je préfère l'appeler destinée. Guillaume le Juste mort, les plans de Moebius furent contrariés. Son pion fut retiré du jeu. Thank you.
me retrouvai à nouveau dans le Nosgoth que je connaissais. Le carnage de la bataille avait disparu, mais il y avait quelque chose de bizarre. Au loin, j'entendais des cris. La brise du sud amenait avec elle une légère odeur de sang de vampire. La folie semblait s'être abattue sur mes propres épaules. Guillaume, le roi vénéré, ayant trouvé la mort entre mes mains, les habitants du pays étaient pris d'une soif commune, la soif du sang de vampire. À mesure que j'avançais, les cris et les applaudissements devenaient de plus en plus distincts. Il y avait une sorte de rassemblement au sud, car avec chaque clameur, je sentais une effusion de sang. Je n'ai aucune intention de justifier mes tueries. Pourtant, ces chasseurs de vampires dissimulaient leur soif de sang sous le voile de la morale. Hypocrite! Il se faisait volontiers juge et jurer à la fin. Très bien. Voyons donc s'ils apprécient mon rôle de bourreau. Pas encore, mon ami. Seriez-vous délivré de la peste si une ville seulement était purgée? Non, non! Épargneriez-vous un loup de la bande qui a massacré votre troupeau? Non! Alors, pas de quartier! Oui, oui! Il est le quartier! Détruisez-le! Le peuple n'aura de repos que lorsque Nosgoth sera purgé des créatures de ta sorte. J'avais été trahi. Dans ma hâte, je ne m'en étais pas aperçu. Ce sigle sur son front. L'oracle de Nosgoth était en fait Moebius, le remonteur de temps. Et j'avais suivi ses conseils. À quel point avait-il conçu ma quête? Willendorf? La bataille de la dernière chance? Guillaume le Juste? Ceci était-il le piège qu'il m'avait préparé? Nous te renverrons à la tombe d'où tu es venu, vampire!
J'ai vu l'avenir, Ken. Tu n'en fais pas partie. Appelons-en au pantin du passé. Et des temps à venir. Hey, Victor! Comme c'est ironique. En remontant le temps et en modifiant le passé, tu as transformé Guillaume le Juste en Némésis. Oui, tu connais mon plan, vampire. Tout comme je connais ta destinée, elle dit que tu mourras. Mais je suis déjà mort. Tout comme toi. Je savais que le sablier de Moebius était l'élément principal de son appareil à remonter le temps. Adieu, sorcier. Le sable du temps ne coulera plus pour toi. Tu nous as trahis, Mortanus. Tu as fait assassiner Kane, et tu l'as transformé en monstre. Tu l'as dressé contre nous. C'était inévitable. La folie de Nupraptor a empoisonné tous nos esprits. Le cercle a failli à son devoir sacré. Il devait être exterminé. Failli à notre devoir, idiot. Le cercle existe pour nous, nous n'existons pas pour lui. Nos pouvoirs sauveront ou damneront Nosgoth à notre guise. Joins-toi à nous, Mortanus, ou meurs! Alors, je mourrai.
Si le cercle doit être détruit, tu périras avec lui, nécromancien. J'admire ta perfidie, mais tu n'échapperas pas à ta destinée. Non, je l'assumerai, mais ma mort s'accompagnera de celle d'un autre, Principicule. Achève-moi! Tu te prenais pour un roi alors que tu n'étais qu'un pion. Tu m'as bien servi, Ken. Je ne sers personne. Assurément. Quelle vision étriquée. Tu ne vois donc pas l'élimination d'Ariel et ses répercussions bien calculées ne sont que le premier acte de ma pièce. Le grand guignol dont tu es le héros. Continue à jouer, petit vampire. Continue. Vae victis! La magie d'Anarchie était contenue dans le métal de la balance. En fin de compte, elle devait être renvoyée dans le pilier d'où elle était sortie. Je plaçais devant le pilier des états et la balance d'Anarchos. Le pilier accepta cette offrande. Il fut alors restauré. L'orbe de la mort de Mortanus avait donné au nécromancien le contrôle de la tombe. Je croyais qu'il était le dernier membre du cercle. Mais il avait mentionné devant le pilier de la mort, je plaçai l'orbe de Mortanus. Le pilier accepta cette offrande. Il fut alors restauré. Je suis le dernier pilier, le seul survivant du cercle des Neufs. À mon moindre caprice, le monde sera guéri ou damné. À mon moindre caprice. De son vivant, il passait inaperçu, un petit noble. Dans la mort, il était inconnu.
Pourtant, en choisissant l'oubli, il a restauré l'équilibre dans notre pays. Les fantômes n'ont pas d'ombre. Une fois que j'ai assumé mes pouvoirs, je me suis rendu compte que Vorador avait raison. Nous sommes des dieux maléfiques. Et il nous appartient de réduire le troupeau.